Yo les gars, c'est Nsu, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite, ça m'aiderait vraiment énormément. Rien que si 5 ou 10 personnes le feraient, ce serait déjà incroyable, alors n'hésitez vraiment pas. Allez, bonne vidéo. Non les gars, c'est un truc de fou, je viens de lancer la game et regardez. Non, c'est un truc de fou. C'est le même spawn, attendez. Non. Wesh, c'est le même spawn. Genre, il n'y a pas un truc différent. C'est exactement le même spawn. Ok, bah ils se sont pas fait chier, hein. Bravo Fortnite, le même spawn. La map, bon, on a l'habitude, mais y a pas de changement à part 4 villes. Et encore, dans les 4 villes, t'as 3 villes, elles existent même pas. Théma, il y a une ville, c'est juste 4 maisons. L'autre ville, c'est un carré, on sait même pas ce que c'est. Et là, il y a 4 maisons sur une île. Et la vraie ville, elle est là. J'espère qu'elle est bien. C'est peut-être la ville de la nouvelle saison. Mais en tout cas, voilà. Vraiment pas d'effort. J'allais faire du montage sur cette vidéo, mais au final pas besoin parce que on est déjà dans la game. Et le bus, bon, c'est quoi ce bordel? What the fuck, genre, je suis désolé les gars, mais waouh. Bon les gars, si on veut faire une belle vidéo, il faut pas spawn directement dans les villes les plus connues. Je sais même pas où je suis. Wesh, what the fuck? Ah! Wesh, le poteau il jouait à quoi? Attends. C'est quoi cette épée de fou? Attendez les gars, on va découvrir ça ensemble. Attendez, il y a un mec qui veut me la mettre. Wesh! Dinguerie. Ok, bah. Lui il se l'est bien prise, mon épée. Je lui ai mis l'épée dans les. Oh là. Non, je l'ai. Voilà. Enfin, je veux dire. Enfin, l'épée quoi. Ok, bah stylé, stylé. Et puis on va faire un petit montage sympa. Donc. Oh les gars, regardez ce que je vois. Ils ont remis le barrette. Mais c'est des génies. Ils ont vu que tout le monde avait râlé quand ils l'avaient enlevé. En fait, c'était une stratégie pour le remettre, en fait. Et regardez. Oula, y'a un mec ou pas? Regardez l'épée. Oh la dinguerie. Vous avez vu ou pas? Ça, c'est un banger. Voilà. Bon les gars, il y a la ville qui est là-bas. Je sais pas. On va regarder, hein. On va regarder si c'est stylé. Puis, oh, il y a l'air d'avoir un robot là-haut. Sympathique tout ça. Wesh, la dinguerie! Il y a des motocross! What the fuck? Wesh, wesh, wesh. C'est quoi cette merde? Attendez, comment je fais? Klaxonner, machin, accélérer, changer de place. What the fuck? On peut pas faire de wall drive et tout. Frère, j'ai cru que j'étais dans Rocket League, moi. Bon, la moto, on peut rien faire de ouf avec. C'est un peu dommage. Et là, on peut faire quoi là-dessus? Wesh, la dinguerie! On est dans Subway Surfer. Wouhou! Ok, attendez, je vais mettre un clip de fou à un mec là-bas. Théma, Théma, Théma. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Wesh, la dinguerie. Au katana, regardez bien. Ya! Yeah! Bon, alors lui là-bas. Wesh, la dinguerie. Wesh, mais ils sont fous ces mecs. Pourquoi ils me rushent comme ça, eux? Calmez-vous, les potos. Je sais que c'est la saison et tout, mais calmos, calmos. Attends. Je vais quand même prendre des armes, bang bang. On va recharger ça vite fait. Putain, ils étaient fous, eux. Wesh. Il est où le poteau? Eh, en vrai de vrai, le pompe, les gars, il est pas si mauvais que ça. En vrai de vrai, le pompe. Hop, bon, je parlais pas, j'étais en train de tryhard, frère. Pourquoi il a 2 balles, le barrette? Eh, le pompe, il est pas si mauvais. Ok, bon. Oh, j'ai l'impression. On dirait que cette arme c'est une fantôme dans. Mais c'est clairement une fantôme de Valo ça. Il y a tellement d'ennemis que je peux même pas vous faire de montage dans la vidéo, frère. En fait, il y a que des moments stylés.
frère, ça fait 3 ans que j'ai pas joué au jeu, je les défonce tous. Donc je vais me faire karma, mais. Hop. Ah, il avait 3 potions lui. Ouais, mais je vais pas enlever d'armes là, je suis pas mal. Allez, faites-moi gagner des niveaux, merci, la rue. Hop, putain, on dirait vraiment la fantôme, c'est un truc de zinzin. Mais c'est fait exprès, frère. Sniper, je sais pas quoi, vas-y, on prend. Hop. J'espère on va pas se faire défoncer par un mec au pif. Ok, bah stylé, hein. On peut recharger le petit sniper ou pas? Wesh, il est fou ce mec. Mais ce mec, il est fou ou quoi, les gars? Il a voulu me... Wouh! Avec son épée, là. Wesh, c'est quoi cette arme de merde? Putain! Les gars, what the fuck? J'en ai vu des armes éclater dans ma vie. Mais alors elle? Putain, la fantôme ne la prenait jamais. Peut-être qu'elle a un aim bien de loin, j'ai pas testé. Mais ne la testez jamais de près, vous avez vu ou pas? Même si j'ai un aim de grosse merguez, là c'était vraiment catastrophique. Putain, le mec, j'ai cru, il allait me tuer 40 fois carrément. Putain, c'est une dinguerie. En plus, il y a un autre mec, je sais, j'ai entendu. Putain, c'était un truc de zinzin. Est-ce qu'on prend des dégâts chutes avec l'épée? Oh mon dieu, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir de chute parce que j'ai appuyé sur F. Parce que je joue beaucoup à d'autres jeux en ce moment et tout. Et c'est la touche F pour ouvrir des coffres, etc. C'est un bot ça ou c'est quoi? Je vais pas dire ça, je vais me faire karma. Non, ça c'est un bot, je pense. Oh! L'arme à mi-corps à corps, elle est pas mal. Oula, mes frères. À mi-corps à corps, l'arme est pas mal. Si jamais vous devez retenir quelque chose, c'est ça qu'il faut retenir. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Je suis dans ma voiture de riche. T'es mal à la caisse, t'es mal à dégaine. Je suis avec toutes mes chéguées. Ouais, t'es mal à la voiture. C'est vraiment trop flex. Et je fais des drags et des wheelies avec GMK. Ouais, la zone, c'est incroyable. En plus, on peut bien rouler comme ça. Non, en fait, je préfère les motos. Ouais, la zone. Wesh, les gars, c'est quoi cette dinguerie? Il y a un tank qui tombe du ciel. Bon, attendez, on va aller récupérer le tank. What the fuck? C'est pas un tank! Wesh, c'est une île qui est tombée du ciel. Mais wesh, la dinguerie. Il y a une île qui est tombée du ciel avec un drapeau et tout. Wesh, la dinguerie. Bon, attendez, j'avais vu un nouveau pompe. Je vous. Oh, mais c'est l'île de Loot Lake! Oh, la dinguerie. Seuls les OG reconnaissent. Si vous êtes un vrai OG, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas un vrai OG. Les vrais OG seulement dans les commentaires. Oh, la dinguerie. Après, j'attendais, je vais vous montrer un truc. J'ai vu une dinguerie. Oh, il y a un coffre-fort! Mais oh, la dinguerie. Oh, Belek, Belek. Bon, je vais pas vous montrer maintenant, mais il y avait le pompe. Non, je sais pas c'était quoi comme pompe. On va aller voir après, vous inquiétez pas. Bon, je vous montre vite fait le coffre. Hein. Voilà, on s'en balèque. Ça, on va le prendre. Le pompe, en attendant, il a l'air pas trop mal. Genre, ça va, t'as vu? Le pompe, il est grincheux, mais ça va. Ok. Bon, coffre-fort merdique, mais bon, on a l'habitude. Merde, j'ai pas d'armes. Oh putain. Imaginez, je serais parti en combat avec ça. Hop là. Ok, attendez, je vais juste vous montrer vite fait, après je me casse. Non, je vais juste montrer le pompe. Hop. Où est-ce qu'il est le coquin? Il est où le petit filou là, mon gourmand? Viens là. Ah, il se cache, il fait le timide avec vous. Non, c'est pas lui. Attendez. Frère, wesh, l'arbre. L'arbre, il m'a poussé. Où est-ce qu'il est? Oh, c'est un truc de fou! J'ai fait plus de fois le tour de la map que... Ouais, je vais rien dire. Putain, c'est une dinguerie. Oh putain, on est tombé sur Moxie. Le Moxie de Rocket League. Oh la dinguerie.
Vous avez failli assister au clip de l'année. Il veut vraiment se faire clip, lui. Putain, le poteau, il avait faim. Lui, il voulait son top 1 de saison. Mais je suis désolé, je suis là pour gâcher tes rêves, mon grand. Voilà, c'est la vida loca. C'est comme ça, enfin, je veux dire, ou non. Il y a un mec chaud dans ta game. Ah non, c'est pas. Ok, c'est. Frère. Tout ça pour un pompe que vous connaissez. Bah, désolé, les refs. Voilà quoi. J'ai dû niquer un mec en 2-2 comme ça. Ok, les mecs. On va faire un truc risqué. Si ça passe, c'est carré. Si je meurs, c'est la fin de la vidéo. Wouhou! Putain, j'ai eu chaud parce qu'il y avait un arbre juste en dessous. Je me prenais un pixel de l'arbre, j'étais mort de chute. Mais au calme, au calme. Si je meurs, la vidéo s'arrête. Si je touche du jaune, la vidéo s'arrête. Oh putain, est-ce que je vais toucher la couleur jaune? Si je touche la couleur jaune, la vidéo s'arrête. Bon, le poteau, il a abandonné sa vie. Vous avez vu ou pas? Il a mis un coup d'épée, il a abandonné sa vie. Il s'est dit, vas-y frère, c'est mort. Ce mec, c'est un tryharder. Il est là pour faire une vidéo YouTube qui va faire 300 000 vues. Non, je déconne, la vidéo va faire 200 vues. Et encore, attends, je suis ambitieux. 30 vues si je suis gourmand. C'est quoi ces bruits là? Ça, c'était le bruit de mon oncle quand il fait caca. Oula, non, pas sûr de celle-là. Au cas où, on va la couper au cas où. Ok, bon, le poteau là. Mon ref, on est là ou on n'est pas là? Wesh, mon ref, comment j'ai galère? Ouais, bon, j'ai été gourmand. Est-ce qu'on peut m'en vouloir? Vraiment, d'avoir été gourmand? Voilà. Enfin, je veux dire, je vois deux bots en train de se fight. Voilà. Laissez-moi profiter de l'occasion pour mettre un petit noscope. Après, ça veut pas dire que forcément. Voilà. Voilà. Ok, bon. Les deux derniers, où est-ce qu'ils sont? Ce serait bien un petit top 1. De toute façon, si je fais pas top 1, il y aura marqué quand même dans le titre top 1. Donc, si vous voyez top 1, ne vous dites pas putain, il va faire top 1. Dites-vous surtout, bah, est-ce qu'il nous a menti ou pas? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il va mourir maintenant, par exemple, par un bidon d'essence? Ah, je peux pas vous spoil. Putain, j'ai un aim, les gars. J'ai un aim, je suis désolé. Après, comme tout le monde, j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'aurait pas tous un aim au final? Wouhou! Oh dinguerie, la masterclass là, like et ratio, flop flop, masterclass. Mais attends, je sais pas si c'était un bot, parce que moi, à mon époque, t'as vu, je fais tard l'ancien, les bots ils pouvaient faire une seule construction, c'est-à-dire un mur ou un escalier. Là, le poteau il a fait deux trucs. Donc, soit vraiment c'est mon petit cousin du bled qui est claqué au jeu, soit c'est mon petit cousin qui est claqué au jeu, soit vraiment c'est une masterclass. Bon là par contre le poteau, je suis désolé pour lui mais... Il est pas tombé sur la bonne personne le poteau. Après je dis pas, hein, ça se trouve il est bon au jeu et tout. Oh, il s'est pris une sale balle. Ok bah voilà, il y aura marqué top 1 dans le titre alors que j'ai fait top 1. Ouais, effectivement. Bah après j'ai envie de dire, ça change pas hein. Première game, première saison top 1. Et me dites pas qu'il y a des bots, il y avait 3 bots maximum. 15 kills, ok, première game. Bah voilà quoi, enfin je suis finito apparemment, moi je joue que Avalo, Tema, enfin je veux dire voilà, je suis un peu le Dark Vador de Fortnite. Bon, on va regarder ce qu'on a gagné de beau.
Si jamais vous voulez bien mettre une animation, enfin je veux dire, voilà, déjà qu'il n'y a pas le fond d'écran, ok, bon, ils ne veulent pas me mettre d'animation, c'est, je vais me faire foutre. Je vais relancer le jeu au cas où, attendez, bougez pas. Ouais, j'ai relancé le jeu, en même temps de lancer le jeu, j'ai fait une petite miniature sympa là sur une autre vidéo. Bon, la miniature est un peu claquée au sol, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je découvre le poste de combat, etc. Je l'achète, ouais, de ouf, les 100 paliers, pas du tout. Alors c'est parti, petit planeur. En vrai de vrai, j'aime pas trop le délire kawaii. Kawaii. Yakari. Ok, mais en vrai ça passe. En vrai de vrai ça passe. Juste la fleur au milieu, elle est un peu chum, mais le délire un peu avec les fleurs de Sakura, j'aime beaucoup. Donc on va se l'équiper. Allez, je suis un sympa aujourd'hui. En vrai ça va, il est bah, il est cool, il est cool. Mais personne ne dépassera ce planeur magnifique. Donc voilà, très sympa. D'ailleurs, j'ai eu une petite offre dans la boutique très sympa. J'ai eu ce skin. Ce skin, je l'ai eu à 200 V-Bucks. Genre, what the fuck? Genre, moi, je veux bien, t'as vu, 200 V-Bucks et tout. Mais. Enfin, ils sont généreux, quoi. Attends, c'est lequel le meilleur? Putain, je vous raconte ma life, wesh, vous vous en battez les couilles. Putain, je suis désolé, les refs. Waouh! Sans transition, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, pensez au code créateur sur la boutique Fortnite. Allez, ciao, magnifique top 1, bang bang, 15 kills, bang bang, bang bang. World record. Oh, world record!